Ah, moi, je fais partie de l'Union des artistes, puis j'aime bien ça, être avec mes loups. Mais, si bol, j'aime ça quand on se lave l'entrejambe. C'est l'histoire de toute une vie, je raconte. Dans ce récit, je me suis posé des questions, puis j'ai pas pris de décision. J'ai commencé à être troublé quand je suis rentré au secondaire. J'ai quand même bien projeté une bonne image de ma santé. C'est ce que j'ai consommé pour arriver à oublier. J'avais un problème en tête, je voulais juste faire la fête. J'avais pas confiance en moi quand c'était temps de faire un choix. Pour toutes les femmes j'ai désiré, je me sentais indésiré. J'ai choisi le chemin plus facile, me suis ramassé en exil. Seul avec moi-même, j'ai réglé tous mes problèmes. J'ai passé par dépression, j'ai remisé les questions à chercher une solution. J'ai résolu l'équation, j'ai choisi la bonne formule. Personne va péter ma bulle quand j'ai pris toutes mes pilules. C'est dans ce temps-là que je fabule. C'est donc ben con, j'suis pas logique. J'abuse ma psychologie. De m'arrêter serait magique, même dans l'asile psychiatrique. J'suis un malade mental, j'ai quelque chose de pas normal. Si j'ai pas eu ma dose, j'vais vous péter une petite dose. Mes dissociations sociales font moi quelqu'un de spécial. J'ai comme des gros up and down, j'suis toujours en train de m'enfoncer. On dirait j'ai tout le temps peur du reste du monde, du bonheur. Je reçois des sons de malheur, je reçois ce son dans mon cœur. Je ressens un champ magnétique qui me dit que tout ça, ça s'explique. C'est mes liens philosophiques qui sont pas physiologiques. Je découvre, j'ai une maladie, pis ça, ça me fait chier un maudit. Je réalise au fond de moi, je mobilise mes pensées. J'avais peur de me faire juger, ben à cette heure, je sais que je l'ai, ça me met cœur, je sais savoir. Mon malin, j'aurais pu croire, j'aurais arrêté de consommer. J'aurais peut-être plus pris soin de moi pendant toutes ces années. Mais si je n'aurais fourré, au lieu de toujours m'attarder à l'image perçue de moi, je voulais que le monde voit en moi quelqu'un qui était sûr de soi. Dans mon cas, c'était pas le cas. Le cas, tu le vois qu'il va pas. Allons, tu deviens perdu dans un cercle sans issue. Quand tu sais pas où t'es rentré, comment faire pour t'en sortir? J'ai choisi l'exil, une idée peut-être un peu débile. Je vais vous faire un aveu, je vois comme faire des adieux. Partie de moi vous mourir quand vous allez découvrir. Je suis pas capable de m'en sortir, j'ai le corps qui est parti sur le chier. Je vais arrêter de faire mon psychotique, je vais aller faire un diagnostic. Je suis un malade mental, j'ai quelque chose de pas mal. Si j'ai pas eu ma dose, je vais vous péter une petite cause. Mes dissociations sociales font moi quelqu'un de spécial. J'ai comme des gros up and down, j'suis toujours en train de m'enfoncer. On dirait j'ai tout le temps peur du reste du monde, j'ai bonheur. Je sois le son, le malin, le soir se sent dans mon cœur. Je sens un champ magnétique qui me dit que tout ça, ça s'explique. C'est mes liens philosophiques qui sont pas physiologiques. Je sais ce qui va pas, bientôt je serai plus comme ça. Quand je vais avoir vu un psychologue, je vais arrêter de prendre la drogue. L'origine de ma chute dans le je dépendais de tout ce qui existe. Et quand j'aurai pu s'éteindre, c'est une vie normale, je vais avoir crise. L'occasion, je ne m'en sortir, j'ai hâte d'arrêter de souffrir. J'espère que je vais encore jouer, le sourire va m'en venir. En fond, le trouble avait vu, depuis tant je me questionne là-dessus. Je me suis servi de mon malheur, m'a fabriqué des valeurs. En isolant ma douleur, j'ai établi mon bonheur. J'ai enfin la foi en moi, sur mon passé je peux faire le droit. Chose de pas normal. Si j'ai pas eu ma dose, j'vais vous péter une petite
sclérose ou médiation sociale. Prends-moi quelqu'un de spécial. J'ai comme des crocs up and down. J'suis toujours en train de me morfondre. On dirait j'ai tout le temps peur. Le reste du monde du bonheur. Je reçois le son de malheur. Je reçois ce son dans mon cœur. Je sens un champ magnétique qui me dit que tout ça, ça s'explique. C'est mes rêves philosophiques qui sont pas physiologiques.